De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jésus invite ses disciples à être comme le sel et la lumière dans le monde. Le sel, nous le savons, permet de donner du goût à la nourriture et la lumière de chasser les ténèbres lors de la nuit. Jésus nous met aussi en garde. Ne soyez pas ce sel qui perd de ce goût ou cette lumière qui est dissimulée sous un boisseau. Ne gardez pas pour vous ce que Dieu vous a donné, mais offrez-le au monde. Le sel se partage, il se donne, il ne se consomme pas pour lui-même. La lumière, de même, ne brille pas pour elle-même, mais pour ceux qui l'entourent. Nous sommes invités aujourd'hui à savoir nous donner, nous offrir à notre tour pour permettre au monde d'entrer dans cette nouvelle alliance avec le Seigneur. Amen.